Coucou, vous êtes là? Super, moi, on va pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous raconter? Des conneries comme d'habitude, non? Et voilà, non, pas tout le temps. Bon, je me suis abonnée à la boîte Look Fantastic pendant 3 mois. Parce que 3 mois, ça revient à 18 euros la boîte. Un mois tout seul, c'est 20 euros. 6 mois, donc ça devient à 17 euros et un an, ça devient à 15 euros. Donc pour tester déjà, j'ai pris un abonnement de 3 mois, comme ça je paye pas les frais de port. Alors, ça te présente comme celle-ci. Oui, j'ai un peu la tête un petit peu de cette session parce qu'évidemment j'ai déjà regardé et... Voilà, bon, je dirai plus tard. Donc voilà, ça présente comme ça. Parce qu'au départ, je dis waouh, c'est lourd. Mais non, c'est qu'il y a un gros bouquin. Un gros bouquin qui ça me sert à rien. Puisqu'il est écrit en anglais. Donc il faudra apprendre l'anglais. Aussi rafraîchir la mémoire. Après, il y a un petit bouquin qui c'est les produits du mois qu'il y a dedans. Parce que c'est la boîte du mois d'avril. Donc ça présente comme ça, avec un papier de soie, je les garde toujours les papiers de soie, ça sert toujours. La boîte, comme vous avez vu, c'est super joli, en carton bleu glacé et le couvercle il est un peu vert pistache. Et donc à l'intérieur, ça j'aime bien aussi, j'aime bien les floufous là, je les garde. Et ça présente comme ça, il y en a des produits, donc une à 6. Mois-ci. Et pourquoi je fais pas une tête de joie? Parce que moi j'ai regardé les boîtes intérieures et c'était des full size. C'est pour ça que j'ai dit bon 18 euros full size ça vaut le coup. Mais là sont tous des miniatures, tous des 15 millilitres. Vous voyez 15. Même le mascara il est tout petit. C'est un masque. La seule chose qui est full size c'est le savon gommant. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait vite hein, la vidéo. Ça sent super bon la boîte. Hein. C'est génial parce que c'est le premier produit qui sort. Donc, c'est le produit pour se laver le corps. Donc, évidemment, on va tester tous les produits là, tout de suite. Hein, tout de suite, j'ai envie de savoir tout l'eau qui vaut. Ça. C'est une pure merveille, c'est la seule chose qui a full size, c'est 100 grammes de savon vegan. Et voilà, regardez. Donc c'est à la bergamote, c'est ça que ça sent, les agrumes. À la bergamote, et les petits points, c'est des graines de pavot, comme dans le pain. Disons. Et c'est ça qui va faire l'exfoliation du corps. Moi j'adore. J'adore. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les savons. Que j'aime bien les garder, j'aime pas les mouiller. Parce qu'après, une fois qu'ils sont mouillés, ils sont un petit peu moches. Après. Bon, ça, c'est le premier produit. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On a le produit. Donc, un baume démaquillant. Et évidemment, tout c'est tellement petit que je sais pas, il faut avoir une loupe là. Et là, mes vernis, il y en a 3 qui sont partis. Les autres, ils ne sont pas. Donc, je dis, tiens, bah, on va le garder. On va refaire seulement que les 3 qui sont partis. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. C'est un baume qu'il faut. Vous voyez? On va le tester tout de suite. Donc, le baume. Donc, d'abord, on va à la douche. Il me fait le bain. Tourourou du corps. Que je ne vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie. Voilà, et donc là, ça sert le baume, c'est 15 ml et c'est pour se démaquiller. On va le faire tout de suite là, mais par contre, je vais les yeux, je vais le faire avec ma lotion bioderme parce que j'ai les yeux fragiles. Ah, je vais vous dire aussi un autre truc, le mascara, 15 ml, donc c'est celui-là que je porte, d'accord? Ben, ça fait pas de miracle, comme tous les mascaras pour moi. J'ai les cils très raides, donc il fait rien du tout. La seule chose que c'est marqué ici, c'est un mascara magnétique. Là, je comprends pas l'histoire. Si quelqu'un, ben, il connaît, il a
tout bien lu parce qu'il sait lire l'anglais. Donc il pourra m'expliquer pourquoi il est magnétique le mascara. Moi, j'ai pas compris. Seulement qu'il n'est pas waterproof parce qu'il a coulé. Il a coulé quand j'étais à la douche. Mais j'ai pas voulu tester le savon. Parce que ça sent tellement bon. Il est tellement bon, carré et tout ça, que j'ai. Voilà. Que j'ai pas voulu le mouiller, le pauvre. Ça fond tellement vite les choses dans la salle de bain. Univa. Donc, on va prendre. Donc, c'est 15 millilitres. C'est très bien. Tous ces tailles de voyage, hein, en fait. Hein. On peut voyager parfaitement. Donc, on va. Oula. Dis donc. Oula. Là, c'est dur. Parce que moi, j'ai déjà testé de la marque Emmi, je crois. Voilà. Et c'est plus mou que ça. Hein. Bon, j'espère pas avoir des boutons parce que c'est du beurre quand même. Et moi, ça commence à revenir. Et là, même, je le. Donc, ils disent d'échauffer. Ouais, en fait, je surveille toujours mon acné parce que vous savez, l'acné, il dort. Donc, on fait ça. Donc, en fait, j'aime pas trop les fonds de teint. Je mets pas très souvent. Donc, là, j'ai une crème teintée, mais vraiment teintée, un ton plus fort que le mien. Donc, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça y est, on commence à voir de l'enlever. Donc, ben, il y a de quoi faire quand même. Après, on fera le test du coton. Ça sent super bon. C'est bizarre, j'ai entendu sentir pour voir qu'est-ce que ça sent. Ça sent le citron en fait, ça sent les agrumes aussi. Je sais pas si c'est parce que j'ai touché la savonnette tout à l'heure. Bon, ça y est, je vais prendre le chaudron parce qu'après il dit de prendre un microfibre pour mouiller. Ça fait du bien le chaud, dis donc. Donc, on nettoie bien tout ça. Après, je sais, des fois, je dis, ah, c'est bien, c'est tout parti. Et après, quand je regarde, il y en a plein de trucs. Hein. Bah, apparemment, je vais faire un deuxième passage d'eau. Et ça. Ça mousse pas évidemment, c'est de l'huile. Mais ça salit l'eau. Hein. J'aime bien le chaudron. Donc c'est pas très bon pour la peau. Hein. Ça ramollit les tissus. Voilà. Bah, chercher. Okay, ça sert à rien, chercher. Parce que je vais tester vraiment. Si est parti hein, le attends là ça se voit propre non par rapport à avant j'étais marron alors oula oui dis donc je crois qu'il s'est très bien nettoyé ouais et j'ai utilisé que ça qui est Antinocette. Donc je vais le fermer maintenant, tout de suite. Ah oui, pour les vacances c'est bien, c'est format, mais bon, j'avais préféré les grands formats quand même. Au moins deux pièces dans la boîte quand même. Et donc maintenant on va faire le test du coton pour voir si c'est bon mon propos. Donc là, ok, c'est nickel chrome, le coton. Et on va voir. J'ai pas mis. Et le baume, celui-ci, parce que si des fois il y aurait des huiles essentielles, donc il faut pas toucher les yeux. Hein. Bon. Apparemment, la preuve du coton, c'est sale. Il n'a pas tellement bien décapé la peau, en fait. Malgré mes doux passages d'eau pour rincer. Non. Bon, je vais faire le coup parce que de toute façon, j'avais pas faire le coup tout à l'heure.
Voilà. C'est bon. Donc, je sais pas, c'est vraiment les nettoyeurs, ils vont pas jusqu'au fond. C'est aucun des nettoyeurs que j'ai testé qui a réussi la preuve, le test de coton. Hein. Bon, là, parce qu'on est là, je vais nettoyer sur les yeux là. Et c'est bon. Maintenant, après le nettoyage, donc il nous propose des disques miniatures, donc il y en a 10, mais très minuscules, vous voyez, à l'acide glycolique pour exfolier. Donc l'acide glycolique, ça sort de l'extraction de le sucre des cannes, ou comment ça s'appelle aussi, non? La canne. Bah, et voilà. Et donc, on va faire. Seulement qu'après, il va falloir, donc demain, il faut se mettre un écran solaire parce que la peau, après, elle devient sensible, sensibilisée. Et donc, il brûle, quoi. Et après, on a des taches sous la peau. Donc, oui, et là, c'est glycolique. C'est très bien pour affiner les pores. Affiner les pores, atténuer les taches et tout ça. Mais si on ne met pas l'écran solaire, merci. C'est à l'envers, hein. On devient plein de taches, on a plein de taches et tout ça. Donc je prends les petits disques, vous voyez, toutes miniatures. Ils disent de le faire matin et soir tous les jours, mais moi non, je conseille pas. Moi je conseille le soir, un soir sur deux. Parce que quand même, l'acide glycolique, c'est un petit peu agressif. Ben, je trouve pas qu'il soit très imprégné hein, des produits. Mais l'acide glycolique, je le connais. Hein. J'ai fait des traitements chez le dermatologue et tout ça, qui m'ont pas réussi d'ailleurs. Là, j'ai des apparitions d'acné qui reviennent à m'attaquer. Parce qu'évidemment, ils sont pas contents que je tripote la peau tous les jours. Je sais pas. Vraiment. Ça picote pas. Donc, je pense qu'il ne doit pas avoir pas beaucoup d'acide glycolique. Hein. Parce que sinon, normalement, on sent un petit peu un petit picotement qui disparaît évidemment. Après, je sais pas combien de pourcentages il y a d'acide glycolique. Vraiment. Donc, il y en a qui disent ça. Ça va pas durer longtemps. En plus, avec la taille qu'il y a. En plus, je vais prendre un autre parce que j'ai pas senti grand-chose. Et pas très mouillé ce truc. Et bien, je vais faire le coup. Mais vraiment, une prise en main, il y a pas une bonne prise en main tellement qu'ils sont petits. Hein. Donc il y a un côté avec des petits points, justement pour gratter. Et après un côté lisse. Fais le nez. Que la zone n'est point problématique. Et je vais mettre les lunettes parce que sinon je vois pas si c'est sale. C'est sale. Hein. Il y a ramasse encore des saletés. Et l'autre qui avait fait le visage, ah oui, il y a encore des saletés aussi. Ok. Donc une fois qu'on a exfolié, il nous propose un masque. Ah oui, je vous ai dit que ça c'est de la marque ni fab bon ni plus fab et que ça c'était le baume en eau d'huile, c'était OH la marque, donc c'est Emma Arty. Ouais, parce que dis donc, j'oublie tout le temps de vous dire comment s'appellent les choses. Et donc maintenant on va mettre le masque, donc apparemment c'est un masque purifiant,
Donc ça tombe très bien parce que pour mon apparition des petits boutons là que vous voyez là et par ici dans les tempes et dans les joues. Donc ça va être parfait. Donc ça s'appelle Glanglou. Donc voilà, un masque. Lo que ça me fait rigoler, c'est que en fait, c'est marqué de 5 à 20 minutes. Il y a un grand écart de 5 à 20 minutes quand même. Donc, bah évidemment, là, je ne vais pas attendre 20 minutes parce qu'en fait, je n'ai pas le bouton de pause. Donc, on va rester que 5 minutes. Ah, il y a petite pendoncule là, pédicule, je sais pas quoi. Et on va voir. Ah, il est des couleurs vert. Oh, ça sautait partout. En fait, il y en a 15, hein, donc je sais pas, ça va pas me donner beaucoup. En fait, oui, c'était pour partir un week-end en vacances avec ça parce que. Fraîcheur. Donc il y avait la menthe poivrée, je crois. Tiens. Oula. Oui, bah, dis donc, quelle couleur, hein. C'est beau. Après, on lira les ingrédients parce que là, oui, je crois qu'il y avait du thé vert. Ah oui, c'est ça que ça sent, le thé vert. Quoi qu'il y a, ouais, sur le thé vert, il y a le arbre à thé. Je sais pas si ça sent pareil. L'arbre à thé, quel thé vert, en fait. Ah là, je commence à picoter là. Ah oui, je commence à picoter. Ça picote. Oh là là, ça picote. Ça picote, ça picote. Ouf. Pardon. J'oublie toujours. Ah, ça picote. Je sais pas si. Waouh. Moi, la couleur, j'adore. Parce que cette couleur-là, j'ai jamais eu encore comme masque. Non mais 15, bah il y a 15, ça va. C'est fait seulement pour une seule fois, punaise. On va faire joli comme ça. Il y a des petits grains à l'intérieur. Ça sent l'Institut de beauté. Déjà une. Ouais. C'est de l'argile, hein, parce que ça sèche. Et, bon, ça continue à sortir. Il y a des petits grains là-dedans. On va faire joli comme ça. On fait le petit rond comme ça. Bah, et non. Waouh! Waouh, ça pique. Oui, ça pique. Oh, ça pique, ça pique. Ça picote, ça picote. Je vais regarder le temps. 18h46. Bah, ça pique. J'espère qu'il y en aura pour une deuxième fois, mais bon, j'ai utilisé hein, pas mal quand même. Hein. Oh là là! 18, 18, hein. Je vais compter avec les doigts. 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'était notre quatrième produit. Et donc, après, il n'y a rien à voir avec tout ça. Il y a le mascara minuscule aussi, donc pour le week-end. Et donc, il n'est pas waterproof. Avec. Et c'était. Oh, regardez les doigts. Bon, je vais me laver un petit peu les doigts. Et donc, voilà. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire magnétique. Je sais qu'est-ce que ça veut dire magnétique. En fait, je sais pas. Je vais disparaître. 1, 2, 3. Je reviens. Hop là. Parce que. Moi, magnétique. Magnétique à quoi? Il est magnétique. Va, on met ce maniement, retirer le mascara, non? C'est pas ça. Alors, je comprends pas cette histoire.
Ah oui, après le masque, donc on va retirer après les 5 à 20 minutes. Donc ça dépend de vous si vous résistez ces picotements que c'est la menthe poivrée, je suppose. Donc après ça, on va rincer. Ça pique. Il y aura une crème fraîche de beauté. Donc une crème hydratante jour et nuit, évidemment, parce qu'il fait 48 heures de la marcanus. Et c'est pour peau normale. Évidemment. Normal. Qu'est-ce que c'est une peau normale, en fait? Parce que. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pour les peaux normales. Est-ce qu'il y a des peaux anormales? Bah, quoi? Je suis une peau anormale? N'importe quoi, là. Oui, c'est pas mon type de peau. Je suis une peau mixte à tendance à avoir des acnés. Mais. Quand même, c'est normal, c'est pas un extraterrestre, je suppose. Déjà, à l'école, on nous a appris que peau normale, ça n'existe pas. Parce qu'une peau normale, c'est seulement que les enfants. Les enfants, et voilà, les enfants avant la puberté. Eux, ils sont peau normale. Mais ça, c'est pas fait pour des enfants. Oh oui. Oh pas. Bon, en fait, hein. Normal. On dirait une discrimination. Toi, t'es normal, toi, t'es pas normal. Non, 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 non. On est tous normal. Avec chacun son spécification des peaux, ses petites choses à faire. Par exemple, t'es déshydraté, tu t'hydrates. Voilà. Je dis peau déshydratée parce que c'est. Je sais pas. Bon, en fait, moi, normal, pas normal. J'assume pas. C'est pas que j'assume pas, c'est que c'est pas normal. Bizarre. C'est un jeu de mots bizarre. Bon, en fait, crème hydratante aux 48 heures, d'accord. Seulement qu'on va dormir. Ouais. On va dormir 8 heures, on va dire. On la met 8 heures. On va s'élever et qu'est-ce qui se passe? On va se laver. Donc on va se remettre d'autres. Alors, 48 heures, c'est si on tombe dans le désert, qu'on n'a plus de crème, en fait, on l'a mis avant de partir, on s'est perdu, et pendant 48 heures, waouh, on est perservé d'y aller chercher dans notre trousse la crème, parce que on avait mis celle-là qui ça dure 12 jours. Donc, ouais, c'est bien, là, pendant 12 jours, on pourrait faire la fête. Ok, c'est que là, oui. Donc, on voit bien que ça commence à sécher en fait par endroits. Bon, on va voir si je vais lire. Parce que. Je vais sortir ma loupe là. Alors, j'ai crème pour les peaux normales. Donc, ce matin et soir. Visage et cou. Alors, c'est hydratant. Donc, c'est pour le manque d'eau. On est bien d'accord. Si vous manquez des. D'eau dans votre peau, c'est cela qu'il vous faut. Si vous êtes normal, hein. voilà, c'est tout là que c'est marqué ici. Anti-pollution. Ah oui, il y a aussi. Ça, c'est bien pour l'anti-pollution. Parce que c'est vrai que c'est la pollution qui fait vieillir la peau aussi prématurément. Parce que ça s'oxyde la peau. Donc, c'est des antioxydants. Alors là. Bon. Je vois pas d'autre chose importante à dire. Parce que les ingrédients, ils sont tous les mêmes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans le masque à qui on pourrait lire comme ça? Dans le masque, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, dans le masque, il dit. Donc, le masque, on a dit qu'il s'appelle Glam. Ouais. Alors, s'applique des 1 à 3 fois par semaine. Donc, on va appliquer une fine couche. Bah, je sais pas si j'ai mis une fine couche ou quoi. Parce que des fois, je suis super généreuse. Et des 1 à 3 fois par semaine. Donc, dis donc. Et donc, c'est anti-imperfection.
Donc, aussi pour les traitements localisés, on peut mettre si un anti-bouton, bah, seulement que sur le bouton. Bon, ça tourne très bien, comme je dis, parce que là, ça commençait à rappliquer mon acné. Il me faisait coucou, bonjour, je suis là. Donc, c'est très bien. Et après, l'acide glycolique, c'est de l'acide glycolique, quoi. Il extrait de la canne de sucre, la canne. Comment on dit, hein? La canne, sucre canne. Bon, là ils disent carrément de le faire tous les jours, et moi je dis non, éviter le contact dirigé. Voyons, ça fait 47 mm de diamètre le disque, petit quoi, il y a 10. Alors, le baume de la marque EHM Hardy, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, il est made in Angleterre. Déjà, très bien, c'est pour ça qu'il parle en anglais déjà. Donc, on a de l'aloe vera, des huiles d'amande. Voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien, parce que quand il y a des récipients. Ouais, c'est pour ça que ça sentait le citron. Oui, il a des huiles de bergamote, des huiles essentielles de bergamote. Donc j'ai bien fait de ne pas le mettre pour me démaquiller les yeux. Après, il y a quoi? Extrait d'un truc qui s'appelle anus. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, il y a aussi de la rosa moschetta. Ouïouïouïouïouï. Diasma aussi. Bon. Vous êtes toujours là, j'espère. Vous n'êtes pas endormi. Parce que je commence à être. Oh. Red. Et voilà. Bon, c'est 27. On avait dit à 23 quand même. Il fait 5 à 23. Je l'ai mis quand même 27, ça fera 10 minutes bientôt. Donc dis donc, ça veut dire que si on attend 20 minutes, on a le visage cartonné quand même, hein. Cartonné, cartonné. Alors, on va voir le petit magazine, voilà, comme ça, si vous voulez. Attendez un petit peu avec moi pour retirer ce truc-là. Donc, c'est la mode. Donc, ça tombe bien. Si vous savez pas comment vous habiller, vous avez des modèles ici qu'évidemment, on ne va pas acheter. Mais si vous avez quelque chose qui s'approche dans votre armoire, vous pourrez les mettre. Après, on pourra regarder les maquillages qui portent les filles, comme ça. Et on pourra s'inspirer. Voilà, il parle un petit peu des petits produits à la mode. C'est tout en anglais. Donc, je donnerai à ma fille qu'elle aime bien lire les choses en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il y en a ici? Donc, ici, c'est les petits trucs. Donc, ils nous disent déjà qu'est-ce qu'on va voir pour le mois prochain. Un truc. C'est marqué. Bon, je vois pas. C'est en anglais. Je t'ai dit, il va falloir se mettre à la page. Ah oui, c'est un sérum. Mais 5 millilitres encore, c'est miniature là, ça me fait pas plaisir vraiment. Et donc, on a aussi comment nettoyer les pinceaux. On a aussi fabriquer ses masques à la maison. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, il nous parle de la marque Glam Glow. C'est plus produit là, différents produits. Donc, le masque qu'on a eu. Après, il y a masque hydratante. Il y a aussi un fermeté masque. Il y a trois masques différentes. Et donc, évidemment, si je regarde bien la couleur, celle-là, il est beige. Donc, c'est celle-là. La bleue, ça sert à l'hydratante. Et l'autre, fermeting. Suppose. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Alphage! Tiens, ils font la pub de Alphage. Dis donc.
Ah, moi j'ai utilisé ces produits pour les petits boutons alphage. Bon. Après, une aussi nous parle des autres produits là qu'on connaît. Clinique, bon, je connais pas l'autre, mais Clinique, oui. Et après, il nous parle vraiment des de produits qu'on a eu. Et donc, évidemment, là, là, là. Donc, après ça, il te dit, viens de mettre facteur solaire. C'est en anglais. De toute façon. 3 minutes le sur la douche. Donc ils disent 3 minutes sous la douche avec le savon pour exfolier et hydrater le corps. Ok. Et donc ils nous disent ça et ça à utiliser. Et le baume hydrate et la crème hydrate aussi. Bon, je vais commencer déjà à me retirer parce qu'après on a le masque. Ah, là pour les cils et le masque. Ah, et le masque pour le visage. Ah oui, le mascara, c'est de la marque Pure. Le mascara ici miniature. Qui fait que 15 millilitres. Vous voyez la marque Pure. Moi je commence déjà à être sèche là. Ça picotait. Hein. Vraiment, ça picotait, ça picotait. Hein. Et c'est tout. En fait, il parle pas des ingrédients. Non, il parlait pas des ingrédients. Le truc. C'est pour ça sentait l'orange. Bah oui, il a des traits d'orange aussi, le baume. Donc, c'est pour ça sentait. Il a de l'aloe vera, l'amande, on a dit. L'amande douce. Ouais. On a tout lui, bah c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Merci d'attendre jusque-là. Là, vraiment, aussi raide, raide, raide. Donc, on va y aller. Et ce que j'aime bien profiter des masques, donc 5 minutes ça me paraît peu. Donc je préfère comme ça. Bon, humidifier pour pas nous arracher la peau parce que c'est de l'argile quand même. D'élargir, d'élargir. Ah. Bon, ça retire quand même assez bien. Une fois que c'est humide. Je crois qu'on entend comme mon téléphone. Mais des fois. Je crois l'entendre une fois, c'est pas vrai. J'ai tellement l'habitude d'entendre la sonnerie que maintenant, on dirait que je l'entends tout le temps. Donc, on va voir si. Ah oh, non, je vois là déjà. Il l'air. Il l'air là. Il a. Bon. Mais il était tellement petit le masque que j'ai pas mis dans le cou. De peur à pas n'avoir un. Ah. Là. Attends, il me reste là. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et bon, et le mystère del mascara. Et j'espère qu'il y aurait quelqu'un. Il a reçu et qu'elle m'explique l'histoire de magnétique. Hein. Ok? Je veux savoir cette histoire. Hop là! Youlouru. Dis donc, il est tout noir l'eau. Hein. Bon, on y va. Comme ça me fait mon soin. De la semaine.
Parce que je fais, pardon, qu'une fois par semaine. Bah, donc c'est mieux pour les pauvres comme moi. Donc, les peaux mixtes, attendons ça. À une perfection, c'est mieux attendre 15 jours. Faut pas trop les enquiquiner. C'est doux. C'est propre. Mais c'est décocheteux, hein. Ça m'avait picoté pendant les premières 10 minutes. Hein. C'est propre là. C'est assez propre et rouge. Bon, il m'a testé la crème d'anus hein, hydratante parce qu'on a asséché. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? On a asséché donc maintenant il va falloir hydrater. Et donc, bah, on y va. Et donc, c'est 15 millilitres. Donc, c'est bizarre parce que j'ai pas des. Il était pas bouché, truc. Par rapport aux autres filles. Ah. Ah, c'est très fondant, toi. Ça sent à rien. Ça sent à rien. Bon, en fait, il faut mettre un petit peu plus, quand même. Ah. Bon, il faut fermer parce que sinon, après, il va rentrer les bactéries. On va voir. C'est très fondant. Ah oui. Ça soulage la peau, c'est vrai, parce que dis donc, ces masques, ça tiraille quand même. Hein. Ça sent le citron. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, ça sent la peau confortable après. Et tout fondante. Mais ça colle pas. La peau l'a tout absorbé. Bah c'est parfait. Ma routine avec la boîte Look Fantastic, c'est fait. Par contre, j'ai des rougeurs avec le masque. Hein. Ça, ouf, ça a décapé. Hein. Ça a décapé, ça a décapé. Qu'est-ce qu'on a dit du masque? Oui, on l'a déjà lu. Bah, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés quand même. Hein. Oh, bah oui, hein, parce que. Quand même 37 minutes. Mais la peau, il est propre. Je vous avoue. Il est rouge, mais il est propre. Mes petits boutons d'acné là qui sont sortis là sont un petit peu asséchés. Évidemment, avec une seule fois le masque, ça va pas sécher tout d'un coup. Donc il faudra faire plusieurs fois. Sinon, bah ça va. À part que les petites peaux, c'est moi je suis pas d'accord. Oui, c'est trop minuscule. Sinon, c'est bon. Donc point positif, c'est qu'ils sont petits, donc vous pourrez les transporter très bien. Pour un week-end, votre petit sac et tout ça c'est parfait. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais montrer? Le mascara. Il est pas waterproof parce que je l'ai mis et ça m'a rien fait, ça fait pas des cils donc je vous montre la brosse, une brosse très bien mais ça courbe pas, bah ça fait pas noir noir et splendide charbonneux et ça coule avec de l'eau. Moi je vous dis que j'étais à la douche en fait, je me suis pas mouillé le visage par contre. Après, mais j'avais sorti avec des yeux tout noirs du cocard de l'humidité. Bon, c'est bon. Bon, j'espère que cette crème pour les peaux normales, il va rien me faire là. Puisque je suis anormale. Et voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et organisez votre journée le mieux possible pour vous amuser. Je vous envoie. Voilà. Plein bisous, bisous à tous.
Et à la prochaine. À bientôt. Mouah.